Shalom Alechem, on est dans Rochot Sadikim, Shara Tshuva, sur la suite des 20 choses que ça emmène à la Tshuva. Il nous dit le Rav dans le 19, Atisha Asar Azivat Ahet Sheba Ahet Yadovo Bedoch Bechozek Ta'avato Ve'amu Chachamim Ezehu Baal Tshuva Asher Tshuvato Magat Ad Kisei Hakavod Zehu Asher Nivhan Ve'Yatza Naki Be'Oto Perek Ube'Ota Makom Ube'Ota Isha פירוש שהזדמן החטא לידו והוא בתוקף יצרו וכבש יצרו בעבור יראת השם ברוך הוא. ואם לא נזדמן בידו בעניין זה יוסיף בנפשו יראת השם ברוך הוא דבר יום ביומו ככה יעשה כל הימים וזה מדרגה עליונה מן התשובה. נדיד הרב, le 19 c'est de arrêter la faute, de lâcher la faute. Quand maintenant, il y a une faute qui se présente, et lui maintenant, il a encore les envies. Il a des envies, parce qu'il faut travailler l'envie. Il faut diminuer dans l'envie. Un homme, lui, il avait l'habitude de manger rien que des glaces, des glaces, des glaces, des glaces. Maintenant, il n'en peut plus. Pourquoi? Parce que il mange maintenant de la viande, et tout de suite après, il a envie d'une glace. Halavi, le lait. Et il ne peut pas s'obtenir. Il est obligé. S'il ne mange pas ça, ça va à la fin du monde. Il y en a des gens, puisque maintenant la tahava, le plaisir, le désir, il est très fort chez eux, ils ne peuvent pas s'en passer. Pour eux, c'est l'enfer. Alors ça se travaille. Ça se travaille. Doucement, 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 avec des réflexions, avec un rab. Et ils travaillent ça sans plaisir. Maintenant, bon, Hachem, mon homme, il fait tchouva. Mais quand même, alors, ça veut dire quoi, ça tchouva? Il me dit l'aura. En premier, d'arrêter avec la faute. Toutes sortes de fautes. Il dit, par exemple ici, qu'est-ce que ça veut dire que la tchouva, elle va arriver jusque le tronc divin, dit Akadosh Baruch Hu. Le tronc divin. Qui c'est Akavod? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, quand Minashamayim, on va lui présenter la même femme, et il a la même force, il a la même envie, et quand même, dans toutes les conditions qu'il avait avant, et quand même il ne va pas trébucher, ça c'est la tchouva que ça va arriver jusqu'à Mitachat qui s'est accabodé. Très haut, très haut, très haut. C'est sûr qu'un homme, il a intérêt de ne pas se mettre en épreuve. Parce que c'est voir, quand il dit le rave ici, qu'est-ce? Il dit le rab, rien que pour nous faire comprendre jusqu'où ça peut arriver. La tchouva, un homme, c'est à sourd de se mettre dans une situation suivante. À sourd de se de y aller. Voilà, moi je suis costaud, j'arrive. Ouais, voilà, la tchouva, elle est très forte. Il va se mettre dans la même situation. C'est une erreur que tous peuvent faire chez Mishmor. Un homme, il peut retomber. Il n'a pas le droit de croire maintenant que Baruch Hashem il est costaud, même qu'il a une très bonne chouva, même qu'il a une barbe jusqu'au le parterre. Il faut savoir qu'un homme, il a sourd de se mettre dans des épreuves, à sourd. Même il faut demander à Kadosh Baruch Hu, on prie tous les jours, Kadosh Baruch Hu, ne nous met pas en épreuve. Ah, comment je peux savoir maintenant que ma chouva elle est forte? Il faut savoir que tellement tu as travaillé sur ta chouva, tellement tu as travaillé que tu arrives à un niveau que si, Hadash Shalom, tu as une épreuve pareille, alors tu pourras tenir. Mais ce n'est pas que tu demandes ou tu te mets. Ou, il faut échapper, il faut se sauver des épreuves. Même cette femme-là que tu la vois, elle est là-bas, tu la vois du bout de la rue, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire tout le tour. Mais non, c'est bon, je suis costaud, le monde me dit, voilà, je suis costaud. Voilà, tu verras, je vais tenir. Non. Il faut que tu enfuis les épreuves. Ces épreuves-là, maintenant, c'est des épreuves que tu ne sais pas si tu peux tenir, même que tu es capable, même que tu es un bon, même que tu es un costaud, même que tout ce que tu veux. Un homme a sourd de se mettre de finir saillant. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais le tour. La Gemara, elle dit, il y a deux chemins. Il y a un chemin qu'il est nickel, mais il est très long. Mais il y a un chemin qui est très court. Mais par contre, là, il y a là-bas des endroits qui ne sont pas tsanoua, pas pudiques. Il y a les femmes qui sont n'importe quoi.
Un homme qui passe dans un endroit pareil s'appelle Racha. Mais la Shamaim, on l'écrit dans son dossier, c'est un Racha. C'est sûr que si maintenant un homme, lui, il se met dans une situation suivante, de se mettre en épreuve, ça, c'est sûr que c'est va être comme un Racha. Parce que c'est à sourd de se mettre. C'est pour ça qu'il est dit le Rav. Regardez. Si par exemple, la faute est là, et le moment il arrive. Et la elle est là. Comment c'est possible? Là, c'est Mina Shamaï. Mais c'est pas que toi, tu te mets en épreuve. Que toi, tu cherches le moment. Je veux prouver à tout le monde que Zubama Tchouba, elle est forte. Non. On n'a pas intérêt. Parce que faut savoir qu'un homme, lui, c'est un homme, même qu'il est arrivé au niveau très, 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 très haut, à sourd de se mettre Benissayon en épreuve. Il dit le Rav, Aesrim, Leashiv, Rabbi, Meavon, Kachet, Asig, Yado, Shenemar, Shuvu, Veashiv, Mikol, Pishechem. Il faut savoir le 20e, c'est quoi? De emmener et faire Tchouva au plus qu'il peut. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav va nous expliquer. En premier, comme c'est écrit, Shuvu, Veashiv, ça veut dire faites Tchouva et faites faire Tchouva. À tout cela que vous pouvez. Vous n'avez pas la possibilité de faire tchouva parce qu'on ne vous écoute pas. Payez quelqu'un. Des fois, un homme, lui, au Hachem, il n'a pas la capacité au niveau de... Personne n'écoute. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre quelqu'un qui est compétent, que au Hachem, il sait bien parler, lui payer, prendre une salle, de faire tchouva aux gens. Faire chouva aux gens, ça demande beaucoup. C'est pas maintenant de venir, allez, nous tous on fait chouva, nous tous on est pour Hachem, nous tous on va éclater tout le monde. Doucement. Les gens ils savent pas que quand ils font chouva vite, ils vont tomber vite. Chouva, okay, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. En premier, de gérer avec le rab. C'est les rab et c'est les qui ça fait que tu te trouves avec un rab. Avec son rab, qui est un rab compétent, que en premier, tchouva aujourd'hui, c'est l'imoud à Torah, l'imoud à la chot. Un homme, lui, il faut qu'il se fixe un moment d'étude de halakha tous les jours. Et il faut qu'il, doucement, doucement, qu'il avance encore une halakha. Il accomplit l'halakha un jour en plus, une autre halakha, deux, trois halakhot, d'avancer, de comprendre où sont ses erreurs. De se remettre en question avec le rab, il dit voilà quoi d'arabe, de parler avec le rab, voilà quoi d'arabe, c'est une situation telle et telle et telle, j'ai parlé telle et etc. etc. La manouche de Mikarea Tchouva, je n'ai pas oria, toria, ritem, et amitecha. L'essentiel de la Tchouva, c'est quoi? C'est quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas l'éprouver, tu vas lui dire oria, le oria, ça veut dire de le réprimander. De le réprimander. Tu vois ton prochain, tu le réprimandes. Comment tu le réprimandes? Mais l'autre dit ça à l'abri. Comme ça, quand tu vas le réprimander, tu ne vas pas prendre là maintenant la faute sur toi. Alors maintenant, dans ce passouk-là, il y a beaucoup d'explications. Une des explications, l'explication qu'elle est simple, il faut réprimander ton prochain, parce que sinon, la faute, elle va venir sur toi. Si tu ne l'as pas réprimandé, la faute, elle va venir sur toi. C'est toi que tu vas après. Comme la Gemara a dit, par attention à Rabbi Eliezer, la vache de Rabbi Eliezer. La vache de Rabbi Eliezer, elle est sortie avec un ruban sur ses cornes. Que ça c'était Issour. Quel Issour que c'était? Issour Otsahab et Shabbat. Elle m'a dit, mais attends, Rabbi Eliezer, il n'y avait pas de vache. C'était la vache de la voisine. Elle m'a dit sur place, puisque lui, Rabbi Eliezer, il n'a pas réprimandé sa voisine. Lui, par exemple, il ne va pas parler avec la voisine, il va dire à sa femme. Tu dis à la voisine qu'elle n'a pas le droit de sortir avec un ruban, qu'elle, parce que c'est Asu Otsa'a, même pour la vache. Toi, t'es de la Torah, que le Baruch Hu nous a ordonné de faire attention même à ta vache, à ton chameau, etc., à ton cheval, de ne pas sortir avec une charge sur son dos. Et toi, tu n'as pas réprimandé maintenant ta voisine, par ta femme par exemple. Eh bien, la faute, elle revient sur toi-même. Ah, d'accord. Je comprends bien. Il faut maintenant, je réprimande les gens.
Mais même dans cette mitzvah-là, il faut savoir comment le faire. Si tu n'es pas compétent, si par exemple tu es trop impulsif, c'est mieux de se taire. Si par exemple, quand tu vas venir avec quelqu'un et tu vas lui parler avec lui, même gentiment, et si maintenant il va te répondre d'une manière pas positivement, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas tout de suite éclater, c'est mieux de se taire. Comme il y a une mitzvah de réprimander ton prochain, il y a une mitzvah aussi de se taire quand tu crois et que tu comprends qu'il ne va pas t'écouter. Si tu sais que le bonhomme qui est en face de toi, il est orgueilleux, très orgueilleux, tu vas essayer maintenant de lui parler. Même quand tu lui parles gentiment, comme il y a des fois tu vas à la Beth Knesset et tu vois un pépé qui met les tefillines là. Toi tu vas vers lui, pépé excuse-moi pépé, tes tefillines ils sont là. Hé, mon fils, laisse-moi tranquille, hein, tu ne vas pas m'apprendre. Comment tu vas faire? Il faut tout ça faire par diplomatie. Pas, il faut savoir comment gérer l'affaire. Tu sais que des fois, pépé, il est orgueilleux. Même si maintenant tu veux l'aider. Parce que des fois, quand lui, il a mis les tefillines comme ça, peut-être il n'a jamais mis de sa vie de ses tefillines. Alors comment tu vas faire? La manouchi, imlo yorirenu ya anesh al-khadab. De là, on apprend que si maintenant tu ne vas pas réprimander ton prochain, eh bien, tu vas prendre sur toi la faute. Tu vas réprimander, il dit David Améler. Je vais enseigner tout cela qu'il faut, les chemins. Et tout cela qu'il faut, ils vont venir vers toi. Ça veut dire qu'on a une obligation. C'est un des darkei atshuva. Il faut savoir qu'on peut arriver à un niveau très haut parce qu'un homme, lui, il fait faire tchouva à son prochain. Alors maintenant, je dis une chose que non, il faut qu'il prend très très en considération. D'accord, c'est écrit que c'est un des 20 choses que ça emmène à la tchouva, qu'elle est complète comme il faut. Mais il faut faire très très attention. Des fois, il y en a des gens qu'on leur fait une tête pas comme ça. Et toi, tu t'assois à côté de lui. Et tu commences à lui parler et tu lui parles, tu lui fais du moussard, tu lui parles d'une manière que ça le rend, tu l'as étouffé. En fin de compte, qu'est-ce qu'il veut faire cet homme-là? Il ne veut plus écouter le Torah. Qui c'est qui a fait en sorte qu'il ne veut plus écouter le Torah? C'est toi qui t'as causé. Alors comment on gère? Il faut apprendre. Ce n'est pas n'importe qui. Même que toi tu as la mitzvah, ocher tocher et amitera. Il faut que toi aussi tu apprends comment y aller vers ton prochain. Et si toi tu n'es pas compétent, tu dis à quelqu'un, c'est pas parce que toi tu n'es pas dispensé, même parce que toi tu n'es pas compétent. Un homme il se dit, bon, c'est bon, je ne sais pas parler, eh bien je suis dispensé de la mitzvah. Non, la mitzvah elle est pour nous tous. Mais tu fais des petits trucs. Va dans un shiur Torah, tu dis par exemple, à quelqu'un, tu parles avec lui. Tu peux pas, ou par exemple tu apprends une halakha à quelqu'un. Oui, j'ai entendu, gentiment comme ça. Il faut apprendre à être gentil aussi, Ken. Même que tu as des fois un caractère qui est un peu dur. Tu aimes donner les coups, Ken. Les coups, à part avec les mots. Les coups, des fois, c'est un mot de négatif, c'est un coup. C'est pas avec un coup, avec un bâton. Des fois, un homme, il dit, où j'étais aujourd'hui? Pourquoi j'ai venu en retard? C'est un coup, ça. Tu l'as tapé. C'est pas avec un bâton que ça tape. Même avec les paroles, ça tape. Alors toi, tu vas lui dire, mon frère, écoute, il y a un chiour là-bas, du rave. Écoute, à 8 heures, c'est bien, c'est un... Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas faire chauffer le bonhomme. Tu ne sais pas que le fait qu'il va y aller dans ce chiour-là, okay, eh bien, il peut faire chouva. Tu lui as fait... Qu'est-ce qui a déclenché chez lui de faire chouva? C'est grâce à toi. Les gens, ils ne savent pas. Après 120 ans, on va lui faire montrer mon fils. Regarde combien de cadeaux tu as. Moi, j'étais un juif simple. Oui, tu étais un juif simple, mais regarde, ce bonhomme-là que tu l'as fait faire tchouva, lui, il a fait tchouva à d'autres 1000 personnes. Et ces 1000 personnes, là, maintenant, c'est grâce à toi. Pourquoi? Parce que toi, tu lui as fait faire tchouva. Simplement, tu lui as dit, va dans ce chiou-là. Et lui, il est parti dans ce chiou. Et lui, il s'est amélioré. Doucement, doucement, il a suivi le chiour. Doucement, doucement, il a fait le chouba. Doucement, doucement, il est devenu marzir, le chouba. Parce que lui, il était compétent. Grâce à qui? Grâce à toi.
Mais une fois, il raconte un pépé. Et lui, il était en Amérique. Et lui, ben, maintenant, il n'avait pas d'enfant. Il a pris deux bachourim qui étaient de la Shoah. C'est un des bachourim, c'est le Rav Shach, Alav Hashalom. Et un autre Rav, je ne sais pas comment il s'appelle ce Rav-là, le mérite qu'il a, ce bonhomme-là, ce pépé-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à manger, il a grandi. C'est vrai, il a pris à l'hôpital, etc., quand il avait besoin, quand il s'occupait de lui, etc. Mais vous savez, le mérite qu'il a, deux Gdolé Ador, ils étaient chez lui. Lui, maintenant, quand ils étaient jeunes, ces orphelins-là, ils savaient maintenant qui c'était. C'était Char, le Char, et c'était un autre rave. Et Baruch Hashem, le fait que maintenant, il les a pris soin. Non, c'est leur père. C'est leur père. Comme on a dit, Bat Potiphera, qui? Asnat. Asnat, c'était la femme de qui? De Yosef. Asnat, c'était la femme de Yosef. Et qui sait en fin de compte? Asnat, c'était la fille de Bat Potiphera. De Potiphera, c'était la fille. Mais le Midrash, il dit que Asnat, c'était la fille de Dina. Qu'elle a eu un enfant avec Shrem ben Hamor, que Lévi et Shimon, ils ont tué tout le monde. Cette fille-là, maintenant, Yaakov Avinu, il a pris, après qu'elle est née, ils ont voulu la tuer. Parce que ça vient d'une relation interdite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Midrash, il a pris Asnat et il l'a mis dans une grotte sur un arbre qui s'appelle Ella. Il l'a caché là-bas, il lui donnait à manger. Après un moment, il a vu qu'il ne pouvait plus, parce que peut-être les enfants de Yaakov, ils étaient très très enragés de voir une fille pareille, qu'elle vient, qu'elle sort d'une relation. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a donné un parchemin, il a mis autour de son cou, et il a marqué là-bas, Asnat bat Dina bat Yaakov. Et il a envoyé en Égypte. Elle est partie en Égypte. Qui c'est qu'il a adopté? Potiphéra. Qui c'était Potiphéra? C'est celui qui l'a acheté, Yosef. Quand maintenant, Yosef a dit qu'il est devenu vice-roi, toutes les femmes de l'Égypte y jetaient de l'or, de l'argent. Et Yosef a dit que lui, il ne levait pas les yeux. Il baissait les yeux. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on jette un parchemin fermé comme ça. Il a vu Asnat Badina Batiakor. Il a levé, il a dit c'est à qui cela? La fille est venue. Il a vu, c'était la petite fille de Yaakov. Il s'est marié, Yaakov, et lui, Yosef, avec la petite fille de Yaakov. Et comment c'est écrit dans la Torah? C'est sa famille. Oui, c'est sa famille. Comme par hasard, c'est sa famille, c'est sa nièce. Oui. Voilà, il s'est marié avec sa nièce. Mais comment elle a écrit, comment c'est écrit dans la Torah que Yosef a dit qu'il s'est marié avec Asnat bat Potiphéra, la fille de Potiphéra? Comment c'est possible si c'est la fille de Dina? Pourquoi la Torah n'a pas marqué bat Dina bat Yaakov? Asnat bat Dina bat Yaakov. Là, il faut savoir qui c'est qui l'a grandi chez elle, chez lui. C'est Potiphéra. Potiphéra, il a fait grandir chez lui, Asnat. Et puisqu'il a fait grandir chez lui, eh bien, elle a été nommée à son nom. Aussi, Bithya. Bithya, la fille de Paro, bat Paro. Et Tzipora, la fille de Yitro. Ce n'était pas vraiment leur fille à eux. Le Midrash raconte, c'était deux sœurs qui sortent d'une autre relation qu'il y avait à l'époque, tellement qu'ils étaient grands au niveau de intellect, ils étaient très génies ces filles-là. Yitro, il a pris Tzipora, et Paro, il a pris Bithya. Comment on les appelle? Bithya bat Paro. En fin de compte, Bithya bat Paro, elle a fait Messirut Nefesh, elle s'est donnée Coréa pour Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'elle est restée vivante, elle est rentrée vivante à Gan Eden. Alors on voit de cela que
grâce à Torah, grâce à la mitzvah que tu as fait et tu as mis quelqu'un à la tshuva, en fin de compte, il s'appelle à ton nom, à toi. C'est comme toi que tu l'as enfanté. Après, à 120 ans, on va te donner un mérite énorme. On dit, regarde tout ce que tu as fait, tous les mitzvot que tu as fait. Grâce à quoi? Tu as fait faire tshuva à quelqu'un. Et autre part, je dis, tout le temps je le dis, il faut faire très attention, même que toi tu veux faire tshuva à quelqu'un, même que c'est un mérite énorme. Il faut savoir comment le faire. Il faut apprendre. Il faut savoir comment. C'est d'appliquer toute cette psychologie. Il ne faut pas trop étouffer. Il ne faut pas trop lâcher. Il faut savoir comment le faire. Et en général, c'est plus les rabbinim qui savent cela. Mais nous, on est simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? Des petites réflexions. Viens un petit chiot de Torah. Viens, comment, qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui? Regarde une halakha. Viens, j'ai entendu une halakha. Viens, je te fais comprendre la halakha que nous, combien de fois on se trompe dans cette halakha. Des petites réflexions, mais Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu va nous donner le mérite de faire faire tshuva à Tam Israël. Et Bezat Hashem, ma chère, elle va venir le plus tôt possible. Kenyé Ratzon, Chazak Baruch Hu.